Mardi 17 août 2010, une remise de képi blanc s'est déroulée dans le cadre exceptionnel des jardins du château de Pompadour, en Corrèze. Alors là, aujourd'hui, on a décidé de faire la remise de képi blanc ici, de la Pompadour, car c'est une région qui est très énormément chargée d'histoire et culture française. Grâce à l'initiative de leur chef de section, ce site chargé d'histoire et de tradition a ainsi accueilli 39 jeunes engagés volontaires de la première compagnie du 4e régiment étranger de Castelnaudary. Un grand moment de fierté pour tous ces jeunes légionnaires qui se sont montrés à la hauteur d'un tel événement. Souci du détail dans la préparation de la tenue et rigueur lors de la cérémonie et du défilé. Je suis très content d'être ici à Pompadour pour avoir mon képi. Pour moi, personnellement, c'est comme un rêve qui s'est réalisé parce que j'ai toujours rêvé d'être légionnaire. Depuis, j'ai aimé la vie militaire. Et pour moi, le jour aujourd'hui, c'est un peu symbolique personnellement. Et je suis très content, très content. Je ne trouve pas les mots à dire. Première section d'engagés volontaires, de première compagnie d'engagés volontaires, du 4e régiment étranger rassemblé. Les élus locaux et la directrice du site ont témoigné de leur plaisir à accueillir la Légion étrangère en ce lieu symbolique. Il y a maintenant un mois, celui de devenir des légionnaires. Coiffez votre képi blanc. Nous promettons de servir avec honneur et fidélité. Pour nous aussi, c'est une grande occasion et un grand événement que de vous recevoir ici sur le château de Pompadour. C'est une façon de partager également notre patrimoine et, comme vous le disiez, de partager avec 28 nations, 28 personnes, 39 personnes de 28 nations différentes, un patrimoine français important et je pense assez riche. On a tenu également à mettre notre présence, à marquer un petit peu notre présence avec des étalons du haras national. Nous sommes nous aussi très empreints de tradition et très respectueux de la tradition. Donc je pense qu'on est un petit peu à un carrefour, effectivement, et qu'on se retrouve sur pas mal de points de vue. En tout cas, je crois que pour le pays et pour notre région, on n'a pas l'habitude comme ça de voir la Légion. C'est la première fois que nous la voyons et je crois que ce lien entre le pays de base, le pays laïque, le pays de Pompadour classique et la Légion, c'est essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, l'estime de la population que vous voyez là, tout le monde est là et il y a une chaleur tout à fait remarquable. Des mots qui ont touché les cadres et leurs jeunes légionnaires, représentants d'un corps tout autant chargé d'histoire et de tradition.